mourir. L'Irique clopin annonce la nouvelle. Et siamo già arrivati alle mura nostre. Lì gli annunci vengono a controntarlo. Lì veni vinti la sacca, pigliano lo peine. Magnet figli, in a quando vi sottieto. Magnet figli, in a quando vi Ma belle dame, puis-je vous dire un mot? Que me voulez-vous? Un jeune homme de cette ville était perdument amoureux de vous. Depuis un mois entier, il cherche vainement l'occasion de vous l'apprendre. Son nom est Célio. Il est d'une noble famille et d'une figure distinguée. Voilà assez. Dites à celui qui vous envoie qu'il perd son temps et sa peine. Et que s'il a l'audace de me faire entendre une seconde fois un pareil langage, j'en instruirai mon mari. Et bien, Souta, qu'a-t-elle dit? Plus dévote et plus orgueilleuse que jamais. Elle instruira son mari, dit-elle, si on la poursuit plus longtemps. Malheureux que je suis, je n'ai plus qu'à mourir. La plus cruelle de toutes les femmes. Et que me conseilles-tu, Chuta? Quelles ressources puis-je encore trouver? Je vous conseille d'abord de sortir d'ici, car voici son mari qui la suit. Es-tu mon fidèle serviteur? Mon valet de chambre dévoué. Apprends que j'ai à me venger d'un outrage. Vous, monsieur? Moi-même, puisque ces impudentes guitares ne cessent de murmurer sous les fenêtres de ma femme. Mais patience, tout n'est pas fini. Écoute un peu de ce côté-ci, voilà du monde qui pourrait nous entendre. Tu m'iras chercher ce soir le spadassin que je t'ai dit. Pourquoi faire? Je crois que Marianne a des amants.
Vous croyez, monsieur ? Oui. Il y a autour de ma maison une odeur d'amant. Personne ne passe naturellement devant ma porte. Il y pleut des guitares et des entremetteuses. Est-ce que vous pouvez empêcher qu'on donne des sérénades à votre femme ? Non, mais je puis poster un homme derrière la poterne et me débarrasser du premier qui entrera. Fille, votre femme n'a pas d'amant. C'est comme si vous disiez que j'ai des maîtresses. Pourquoi n'en aurais-tu pas, Lydia ? Tu es fort laid, mais tu as beaucoup d'esprit. J'en conviens. J'en conviens. Regarde, Tibia, tu en conviens toi-même. Il n'en faut plus douter. Et mon déshonneur est public. Pourquoi public ? Je te dis qu'il est public. Mais monsieur, votre femme passe pour un dragon de vertu dans toute la ville. Elle ne voit personne. Elle ne sort de chez elle que pour aller à la messe. Laisse-moi faire. Je ne me sens pas de colère. Après tous les cadeaux qu'elle a reçus de moi. Oui, Tibia, je machine en ce moment une épouvantable trame. Et me sens prêt à mourir de douleur. Oh que non. Quand je te dis quelque chose, tu me ferais plaisir de le croire. Malheur à celui qui, au milieu de la jeunesse, s'abandonne à un amour sans espoir. Malheur à celui qui se livre à une douce rêverie avant de savoir où sa chimère le mène et s'il peut être payé de retour. Mollement couché dans une barque, il s'éloigne peu à peu de la rive. Il aperçoit au loin des plaines enchantées, de vertes prairies et le mirage léger de son Eldorado. Les vents l'entraînent en silence, et quand la réalité le réveille, il est aussi loin du but où il aspire que du rivage qu'il a quitté. Il ne peut plus ni poursuivre sa route, ni revenir sur ses pas. Quelle est cette mascarade ? N'est-ce pas Octave que j'aperçois ? Comment se porte mon bon monsieur cette gracieuse mélancolie ? Octave, oh fou que tu es, tu as un pied de rouge sur les joues. D'où te vient cet accoutrement ? N'as-tu pas de honte en plein jour ? Célio, fou que tu es, tu as un pied de blanc sur les joues. D'où te vient ce large habit noir ? N'as-tu pas de honte en plein carnaval ? Quelle vie que la tienne ! Où tu es gris, où je le suis moi-même. Où tu es amoureux, où je le suis moi-même. Plus que jamais de la belle Marianne. Plus que jamais du vin de Chypre. J'allais chez toi quand je t'ai rencontré. Et moi aussi, j'allais chez moi. Comment se porte ma maison ? Il y a 8 jours que je viens. J'ai un service à te demander. Parle, Célio. Veux-tu de l'argent, je n'en ai plus. Veux-tu des conseils, je suis ivre. Veux-tu mon épée ? Voici une batte d'arlequin. Parle, parle. Dispose de moi. Combien de temps cela durera-t-il ? 8 jours hors de chez toi ? Tu te tueras, Octave. Jamais de ma propre main, mon ami, jamais. J'aimerais mieux mourir que d'attenter à mes jours. N'est-ce pas un suicide comme un autre que la victime ? Figure-toi, danseur de cordes, un brodequin d'argent, le balancier au coin, suspendu entre le ciel et la terre. À droite et à gauche, de vieilles petites figures racornies, de maigres et pâles fantômes, des créanciers agiles, des parents et des courtisanes. Toute une légion de monstres se suspendent à son manteau et le tiraillent de tous les côtés pour lui faire perdre l'équilibre. Des phrases redondantes, de grands mots enchâssés cavalcadent autour de lui, une nuée de prédictions sinistres l'aveuglent de ses ailes noires. Il continue sa course légère de l'Orient à l'Occident.
S'il regarde en bas, la tête lui tourne. S'il regarde en haut, le pied lui manque. Il va plus vite que le vent et toutes les mains tendues autour de lui ne lui feront pas renverser une goutte de la coupe joyeuse qu'il porte à la sienne. Voilà ma vie, mon cher ami. C'est ma fidèle image que tu vois. Que tu es heureux d'être fou. Que tu es faux de ne pas être heureux. Dis-moi un peu, toi. Qu'est-ce qui te manque? Il me manque le repos. La douce insouciance qui fait de la vie un miroir où tous les objets se peignent un instant et sur lequel tout glisse. Une dette pour moi est un roman. L'amour dont vous autres vous faites un passe-temps trouble ma vie entière. Mon ami, tu ignoreras toujours ce que c'est qu'aimer comme moi. Mon cabinet d'études est désert. Depuis un mois, j'erre autour de cette maison la nuit et le jour. Quel charme j'éprouve au lever de la lune à conduire au fond de cette place mon cœur modeste de musicien. À les entendre chanter la beauté de Marianne. Jamais elle n'a paru à sa fenêtre. Jamais elle n'est venue appuyer son front charmant sur sa jalousie. Qui est cette Marianne? Est-ce que c'est ma cousine? C'est elle-même, la femme du vieux Claudio. Je ne l'ai jamais vue, mais à coup sûr, elle est ma cousine. Claudio est fait exprès. Confie-moi tes intérêts, Célio. Tous les moyens que j'ai tentés pour lui faire connaître mon amour ont été inutiles. Mmh. Elle sort du couvent, elle aime son mari et respecte ses devoirs. La porte est fermée à tous les jeunes gens de la ville et personne ne peut l'approcher. Ouais. Est-elle jolie? Toi que je suis, tu l'aimes. Ça n'importe guère. Que pourrions-nous imaginer? Faut-il te parler franchement? Ne te riras-tu pas de moi? Laisse-moi rire de toi, mais pas franchement. En ta qualité de parent, tu dois être reçu dans la maison. Suis-je reçu? Je n'en sais rien. Admettons que je suis reçu. À te dire vrai, il y a une grande différence entre mon auguste famille et une botte d'asperges. Nous ne formons pas un faisceau bien serré et nous tenons guère les uns aux autres par écrit. Cependant, Marianne connaît mon nom. Faut-il lui parler en ta faveur? 20 fois j'ai tenté de l'aborder. 20 fois j'ai senti mes genoux fléchir en approchant d'elle. J'ai été forcé de lui envoyer la vieille Chuta. Quand je la vois, ma gorge se serre et j'étouffe comme si mon cœur se soulevait jusqu'à mes lèvres. J'ai éprouvé cela. Pourquoi donc suis-je ainsi? N'est-ce pas une vieille maxime parmi les libertins que toutes les femmes se ressemblent? Pourquoi donc y a-t-il si peu d'amour qui se ressemble? En vérité, je ne saurais aimer cette femme comme toi, Octave, tu l'aimerais, ou comme j'en aimerais une autre. Qu'est-ce donc pourtant que tout cela? 2 yeux bleus, 2 lèvres vermeilles, 1 robe blanche, 2 blanches mains. Pourquoi, ce qui te rendrait joyeux et empressé, ce qui t'attirerait toi comme l'aiguille aimantée attire le fer, me rend-il triste et immobile? Qui pourrait dire, ceci est gai ou triste? La réalité n'est qu'une ombre. Appelle imagination ou folie ce qui la divinise, alors la folie est la beauté elle-même. Chaque homme marche enveloppé d'un réseau transparent qui le couvre de la tête aux pieds. Il croit voir des bois et des fleuves, des visages divins, et l'universelle nature se teint sous ses regards des nuances infinies du tissu magique. Octave, viens à mon secours. J'aime ton amour, Célio. Il divague dans ta cervelle comme un flacon syracusain. Donne-moi la main. Eh bien, attends, je cours, attends. L'air me frappe au visage et les idées me reviennent. Je connais cette Marianne, elle me déteste fort sans m'avoir jamais vu. C'est une mince poupée qui marmotte des aves sans fin. Fais ce que tu voudras, mais ne me trompe pas, je t'en conjure. J'ai le désir de me tromper. Je ne sais pas me défier d'une action que je ne voudrais pas faire moi-même. Si tu escalades les murs, entre elle et moi est une muraille imaginaire que je n'ai pu escalader. Si tu lui écrivais, elle déchire mes lettres ou me les renvoie. Si tu en aimais une autre, hein? Viens avec moi, chez Rosalinde.
Le souffle de ma vie est invariable. Elle peut d'un mot, de ses lèvres, l'anéantir ou l'embraser. Vivre pour une autre me serait plus difficile que de mourir pour elle. Ou je réussirai, ou je me tuerai. Silence, la voici qui rentre, elle détourne là. Moi, tiens-toi, je vais l'aborder. M'y penses-tu dans l'équipage, te voilà. Essuie-toi le visage, frère d'enfant. Mais voilà qui est fait. L'ivresse et moi, mon cher Célio, nous nous sommes trop chers l'un à l'autre pour nous jamais disputer. Elle fait mes volontés comme je fais les siennes et aucune crainte là-dessus. C'est le fait d'un étudiant en vacances qui se grise un soir de grand dîner que de perdre la tête et de lutter avec le vin. Moi, mon caractère est d'être ivre. Ma façon de penser est de me laisser faire. Je parlerai au roi en ce moment, comme je vais parler à ta belle. Non, ne lui parle pas. Pourquoi? Je ne puis dire pourquoi. Il me semble que tu vas me tromper. Touche-la. Je te jure sur mon honneur que Marianne sera à toi ou à personne au monde. Tant que j'y pourrai quelque chose. Ne vous détournez pas. Princesse de beauté, c'est tomber vos regards sur le plus indigne de vos serviteurs. Qui êtes-vous? Mon nom est Octave, et je suis cousin de votre mari. Venez-vous pour le voir? Entrez au logis, il part vous. Je ne viens pas pour le voir. Je n'entrerai point au logis de peur que vous ne m'en chassiez tout à l'heure, quand je vous aurai dit ce qui m'amène. Dispensez-vous donc de le dire et de m'arrêter plus longtemps. Je ne saurais m'en dispenser, il vous supplie de vous arrêter pour l'entendre. Cruelle, Marianne. Vos yeux ont causé bien du mal. Vos paroles ne sont pas faites pour le guérir. Que vous avez fait, Célio? De qui parlez-vous? Et quel mal ai-je causé? Un mal. Le plus cruel de tous, car c'est un mal sans espérance. Le plus terrible, car c'est un mal qui se chérit lui-même et repousse la coupe salutaire jusque dans la main de l'amitié. Un mal qui fait pâlir les lèvres sous des poisons plus doux que l'ambroisie et qui fond en une pluie de larmes le cœur le plus dur, comme la perle de Cléopâtre. Un mal que tous les aromates, toute la science humaine ne saurait soulager et qui se nourrit du vent qui passe, du parfum d'une rose fanée, du refrain d'une chanson, et qui suce l'éternel aliment de ses souffrances dans tout ce qui l'entoure, comme une abeille son miel dans tous les buissons d'un jardin. Me direz-vous le nom de ce mal? Que celui qui est digne de le prononcer vous le dise. Que les rêves de vos nuits, que ces orangers verts, cette fraîche cascade vous l'apprennent. Vous puissiez le chercher un beau soir, vous le trouverez sur vos lèvres. Son nom n'existe pas sans lui. Est-il si dangereux à dire, si terrible dans sa contagion qu'il effraie une langue qui plaît dans sa faveur? Est-il si doux à entendre, cousine, que vous le demandiez? Vous l'avez appris à Célio. C'est donc sans le vouloir, je ne connais ni l'un ni l'autre. Que vous les connaissiez ensemble et que vous ne les sépariez jamais, voilà le souhait de mon cœur. En vérité, Célio est le meilleur de mes amis. Si je voulais vous faire envie, je vous dirais qu'il est beau comme le jour, jeune, noble, et je ne mentirais pas. Mais je ne veux que vous faire pitié. Je vous dirais qu'il est triste comme la mort depuis le jour où il vous a vu. Est-ce ma faute s'il est triste? Est-ce sa faute si vous êtes belle? Il ne pense qu'à vous, à toute heure il rôde autour de cette maison. N'avez-vous jamais entendu chanter sous vos fenêtres? N'avez-vous jamais soulevé à minuit cette jalousie et ce rideau? Tout le monde peut chanter le soir, et cette place appartient à tout le monde. Tout le monde aussi peut vous aimer, mais personne ne peut vous le dire. Quel âge avez-vous, Marianne? Voilà une jolie question. Et si je n'avais que 19 ans, que voudriez-vous que j'en pense? Vous avez donc encore 5 ou 6 ans pour être aimé, 8 ou 10 pour aimer vous-même, et le reste pour prier Dieu. Vraiment? Eh bien,
Pour mettre le temps à profit, j'aime Claudio, votre cousin et mon mari. Mon cousin et votre mari ne feront jamais à eux deux qu'un pédant de village. Vous n'aimez point Claudio. Ni Célio pouvait le lui dire. Pourquoi? Pourquoi n'aimerais-je pas Claudio? C'est mon mari. Pourquoi n'aimeriez-vous pas Célio? C'est votre amant. Me direz-vous aussi pourquoi je vous écoute? Adieu, Seigneur Octave. Voilà une plaisanterie qui a duré assez longtemps. Ma foi. Elle a de beaux yeux. Ces fleurs, comme je vous les ordonnais. A-t-on dit aux musiciens de venir? Oui, madame, ils seront ici à l'heure du souper. Ces jalousies fermées sont trop sombres. Qu'on laisse entrer le jour sans laisser entrer le soleil. Ah, le souper est-il bon? Aurons-nous notre belle voisine, la comtesse Pergoli? À quelle heure est sorti mon fils? Pour être sorti, il faudrait d'abord qu'il fût rentré. Il a passé la nuit dehors. Vous ne savez ce que vous dites. Il a soupé hier avec moi et m'a ramené ici. Du vivant de son père, il n'en aurait pas été ainsi. Ne dirait-on pas que notre maîtresse a 18 ans et qu'elle attend son 6 B? Mais du vivant de sa mère, il en est ainsi, Malvolio. Qui vous a chargé de veiller sur sa conduite? Songez-y que Célio ne rencontre pas sur son passage un visage de mauvais augure, qu'il ne vous entende pas grommeler entre vos dents comme un chien de basse-cour à qui l'on dispute l'os qu'il veut ronger, ou par le ciel. Pas un de vous ne passera la nuit sous ce toit. Je ne grommelle rien. Ma figure n'est pas un mauvais présage. Vous me demandez à quelle heure est sorti mon maître, et je vous réponds qu'il n'est pas rentré. Depuis qu'il a l'amour en tête, on ne le voit pas 4 fois la semaine. Pourquoi ces livres sont-ils couverts de poussière? Pourquoi ces meubles sont-ils en désordre? Pourquoi faut-il que je mette ici la main à tout si je veux obtenir quelque chose? Il vous appartient bien de lever les yeux sur ce qui ne vous regarde pas lorsque votre ouvrage est à moitié fait et que les soins dont on vous charge retombent sur les autres. Allez, et retenez votre langue. Cher enfant, quels seront vos plaisirs aujourd'hui? Les vôtres, ma mère. C'est quoi, les plaisirs communs et non les peines communes? C'est un partage injuste. Célio, ayez des secrets pour moi, mais non pas de ceux qui vous rongent le cœur et vous rendent insensible à tout ce qui vous entoure. Je n'ai point de secret. Et plût à Dieu, si j'en avais, qu'il fût de nature à faire de moi une statue. Quand vous aviez 10 ou 12 ans, toutes vos peines, tous vos petits chagrins se rattachaient à moi.
d'un regard sévère ou indulgent de ces yeux que voilà, dépendait la tristesse ou la joie des vôtres. Et votre petite tête blonde tenait par un fil bien délié au cœur de votre mère. Maintenant, je ne suis plus que votre vieille sœur, incapable peut-être de soulager vos ennuis, mais non pas de les partager. Et vous aussi, vous avez été belle. Ma mère, vous avez inspiré l'amour. Vous n'avez point aimé. Un parent de mon père est mort d'amour pour vous. Quel souvenir me rappelles-tu ? Si votre cœur peut en supporter la tristesse, si ce n'est pas vous demander des larmes, racontez-moi cette aventure, ma mère. Faites-moi connaître les détails. Votre père ne m'avait jamais vue alors. Il se chargea comme allié de ma famille de faire agréer la demande du jeune Orsini qui voulait m'épouser. Il fut reçu comme le méritait son rang par votre grand-père et admis dans notre intimité. Orsini était un excellent parti et cependant je le refusais. Votre père, en plaidant pour lui, avait tué dans mon cœur le peu d'amour qu'Orsini m'avait inspiré pendant 2 mois d'assiduité constante. Je n'avais pas soupçonné la force de sa passion pour moi. Lorsqu'on lui apporta ma réponse, il tomba privé de connaissance dans les bras de votre père. Une longue absence. Un voyage qu'il entreprit alors et dans lequel il augmenta sa fortune devait avoir dissipé ses chagrins. Votre père changea de rôle et demanda pour lui ce qu'il n'avait pu obtenir pour Orsini. J'aimais votre père d'un amour sincère et l'estime qu'il avait inspirée à mes parents ne me permit pas d'hésiter. Le mariage fut décidé le jour même et l'église s'ouvrit pour nous quelques semaines après. Orsini revint à cette époque. Il fut trouvé votre père. L'accabla de reproches, l'accusa d'avoir trahi sa confiance et d'avoir causé le refus qu'il avait essuyé. Du reste, ajouta-t-il, si vous avez désiré ma perte, vous serez satisfait. Épouvanté de ces paroles, votre père vint trouver le mien et lui demander son témoignage pour des abuseurs Orsini. Hélas, il n'était plus temps. On le retrouva dans sa chambre, frappé d'un coup d'épée. Qu'avez-vous, Célio, vous détournez la tête? Vous, ma mère, vous êtes venue. Ne songez point à mes chagrins, ce ne sont que des souvenirs. Les vôtres me touchent bien davantage. Si vous refusez de les combattre, ils ont longtemps à vivre dans votre jeune cœur. Je ne vous demande pas de me les dire. Mais je les vois. Et puisque vous prenez part au mien, venez. Tâchons de nous défendre, allons. Essayez de nous distraire. Il y a à la maison quelques bons amis. Tâchons de vivre et de regarder gaiement, ensemble, moi le passé, vous l'avenir.
Venez. Senio. Donnez-moi la main. Un trésor de pureté. Que te dirais-je de plus? C'est une vertu solide. Vous croyez, monsieur? Peut-elle empêcher qu'on ne chante sous ses croisons? Les signes d'impatience qu'elle peut donner dans son intérieur sont les suites de son caractère. As-tu remarqué que sa mère, lorsque j'ai touché cette corde, a été tout d'un coup du même avis que moi? Relativement à quoi? Relativement à ce qu'on chante ou s'est croisé. Chanter n'est pas un mal. Je fredonne moi-même à tout moment. Mais bien chanter est difficile. Difficile pour vous et pour moi, qui n'ayant pas reçu de voix de la nature, ne l'avons jamais cultivée. Mais voyez comme ces acteurs de théâtre s'en tirent habilement. Ces gens-là passent leur vie sur les planches. Et combien croyez-vous qu'on puisse donner par an? À qui? Un juge de paix? Non, à un chanteur. C'est rien. On donne à un juge de paix le tiers de ce que vaut ma charge. Les conseillers de justice ont moitié. Si j'étais juge en cour royale et que ma femme eût des amants, je les condamnerais moi-même. À combien d'années de galère? À la peine de mort. Un arrêt de mort est une chose superbe à lire à haute voix. Ce n'est pas le juge qui le lit, c'est le greffier. Le greffier de votre tribunal a une jolie femme? Non, c'est le président qui a une jolie femme. J'ai soupé hier avec lui. Le greffier aussi? Quoi? Le spadassin qui va venir ce soir est l'amant de la femme du greffier. Quel spadassin? Celui que vous avez demandé. Il est inutile qu'il vienne, après ce que je t'ai dit tout à l'heure. Quel sujet? Au sujet de ma femme! La voici qui vient même. Savez-vous ce qui m'arrive pendant que vous courez les champs? J'ai reçu la visite de votre cousin. Et ça peut-il être, nommez-le par son nom? Octave, qui m'a fait une déclaration d'amour de la part de son ami Célio. Qui est ce Célio? Connaissez-vous cet homme? Trouvez bon que ni lui ni Octave ne mettent les pieds dans cette maison. Je le connais. C'est le fils d'Hermia, notre voisine. Qu'avez-vous répondu à cela? Il ne s'agit pas de ce que j'ai répondu. Comprenez-vous ce que je dis? Donnez ordre à vos gens qui ne laissent entrer ni cet homme ni son ami. Je m'attends à quelque opportunité de leur part et suis bien aise de l'éviter. Qu'en penses-tu de cette aventure, Tibia? Il y a quelques ruses là-dessous. Voyez, monsieur. Pourquoi n'a-t-elle pas voulu dire ce qu'elle a répondu? La déclaration est impertinente, il est vrai, mais la réponse mérite d'être connue. J'ai le soupçon que ce Célio est l'ordonnateur de toutes ces guitares. Défendre votre porte à ces deux hommes est un moyen excellent de les éloigner. Rapporte-t'en à moi. Faut que je fasse part de cette découverte à ma belle-mère. J'imagine que ma femme me trompe et que toute cette fable est une pure invention pour me faire prendre le change et troubler entièrement mes idées. Voglio il ritmo!
pauvre jeune homme, il aime plus que jamais. Et sa mélancolie se trompe elle-même sur les désirs qu'il a nourrice. Je croirais presque qu'il se défie de vous, de moi, de tout ce qui l'entoure. Non, par le ciel, je n'y renoncerai pas. Je sens moi-même une autre Marianne et il y a du plaisir à être entêté. Ou Célio réussira ou j'y perdrai ma langue. Agirez-vous contre sa volonté? Oui. Pour agir d'après la mienne, qui est sa sœur aînée, et pour envoyer aux enfers M. Claudio, le juge. Je déteste, le méprise et abhorre depuis les pieds jusqu'à la tête. Je lui porterai donc votre réponse. Et quant à moi, je cesse de m'en mêler. Monsieur, tu abandonnes la partie? Que veux-tu que je fasse? Te défie de moi. Qu'as-tu? Hey, te voilà pâle comme la neige. Que se passe-t-il en toi? Pardonne-moi. Pardonne-moi. Fais ce que tu voudras, va trouver Marianne. Dis-lui que me tromper, c'est me donner la mort et que ma vie est dans ses yeux. Le ciel, voilà qui est étrange. Silence, faites le son. Marianne sort. Elle approche lentement. Belle Marianne, vous dormirez tranquille. Le cœur de Célio est à une autre et ce n'est plus sous vos fenêtres qu'il donnera ses sérénades. Quel dommage. Quel grand malheur de n'avoir pu partager un amour comme celui-là. Voyez comme le hasard me contrarie, moi qui allais l'aimer. En vérité? Oui. Sur mon âme. Ce soir ou demain matin, dimanche ou plus tard, je lui appartenais. Qui pourrait ne pas réussir avec un ambassadeur tel que vous? Il faut croire que sa passion pour moi était quelque chose comme du chinois ou de l'arabe, puisqu'il lui fallait un interprète et qu'elle ne pouvait s'expliquer toute seule. Raillez, raillez. Ne vous craignons plus. Peut-être que cet amour n'était encore qu'un pauvre enfant à la mamelle. Et vous, comme une sage nourrice, en le menant à la lisière, vous l'aurez laissé tomber la tête la première en le promenant par la ville. La sage nourrice s'est contentée de lui faire boire d'un certain lait que la vôtre vous a versé sans doute et généreusement. Vous en avez encore sur les lèvres une goutte qui se mêle à toutes vos paroles. Comment s'appelle ce lait merveilleux? L'indifférence. Vous ne pouvez ni aimer, ni haïr. Et vous êtes comme les roses du Bengale, Marianne, sans épines et sans parfum. Bien dit. Aviez-vous préparé d'avance cette comparaison? Si vous ne brûlez pas le brouillon de vos harangues, donnez-le-moi de grâce que je les apprenne à ma perruche. Hé, que trouvez-vous qui puisse vous blesser? Une fleur sans parfum n'en est pas moins belle, bien au contraire. Ce sont les plus belles que Dieu a faites ainsi. Et le jour où, comme une galatée d'une nouvelle espèce, vous deviendrez de marbre, au fond de quelque église, ce sera une charmante statue que vous ferez et qui ne laissera pas que de trouver quelque niche respectable dans un confessionnal. Mon cher cousin, est-ce que vous ne plaignez pas le sort des femmes? Voyez un peu ce qui m'arrive. Il est décrété par le sort que Célio m'aime, ou qu'il croit m'aimer. Lequel Célio le dit à ses amis? Lesquels amis décrètent à leur tour que sous peine de mort, je serai sa maîtresse? La jeunesse napolitaine daigne m'envoyer en votre personne un digne représentant, chargé de me faire savoir que j'ai à aimer le dit seigneur Célio d'ici à une huitaine de jours. Pesez cela. Je vous en prie. Si je me rends, que dira-t-on de moi? N'est-ce pas une femme bien abjecte que celle qui obéit à point nommé
Alors, convenu à une pareille proposition, ne va-t-on pas la déchirer à belles dents, la montrer au doigt et faire de son nom le refrain d'une chanson à boire? Si elle refuse, au contraire, est-il un monstre qui lui soit comparable? Est-il une statue plus froide qu'elle? Et l'homme qui lui parle, qui ose l'arrêter en place publique, son livre de messe à la main, n'a-t-il pas le droit de lui dire « Vous êtes une rose du Bengale, sans épines et sans parfum !» Une cousine, ne vous fâchez pas. N'est-ce pas une chose bien ridicule que l'honnêteté et la foi jurée? Que l'éducation d'une fille, la fierté d'un cœur qui s'est figuré qu'il vaut quelque chose, et qu'avant de jeter au vent la poussière de sa fleur chérie, il faut que le calice en soit baigné de larmes, épanoui par quelques rayons de soleil entrouverts par une main délicate. Tout cela n'est-il pas un rêve? Une bulle de savon que le premier soupir d'un cavalier à la mode doit évaporer dans les airs? Vous vous méprenez sur mon compte et sur celui de Célie. Qu'est-ce après tout qu'une femme? L'occupation d'un moment, une coupe fragile qui renferme une goutte de rosée qu'on porte à ses lèvres et qu'on jette par-dessus son épaule. Une femme, c'est une partie de plaisir. Ne pourrait-on pas dire, quand on en rencontre une, voilà une belle nuit qui passe? Et ne serait-ce pas un grand écolier en de telles matières? Celui qui baisserait les yeux devant elle, qui se dirait tout bas, voilà peut-être le bonheur d'une vie entière, et qui la laisserait passer. Hey! Apportez-moi ici une bouteille de quelque chose. Ce qui vous plaira, Excellence. Voulez-vous du Lacryma Christi? Soit, soit. Allez-vous-en un peu chercher dans les rues d'alentour le seigneur Célio. Vous lui direz qu'un de ses amis est là, qui boit tout seul du Lacryma Christi. Après quoi? Vous irez à la grande place et vous m'apporterez une certaine Rosalinde qui est rousse et qui est toujours à sa fenêtre. Je ne sais ce que j'ai dans la gorge, je suis triste comme une procession. Ah, je fais aussi bien de dîner ici, voilà le jour qui baisse. Ding, ding. Quelle nuit que c'est vêpre. Est-ce que j'ai envie de dormir? Je me sens tout pétrifié. Claudio, vous êtes un beau juge. Où allez-vous si couramment? Entendez-vous par là, seigneur Octave? J'entends que vous êtes un magistrat qui a de belles formes. De langage ou de complexion? De langage, de langage. Votre perruque est pleine d'éloquence. Vos jambes sont deux charmantes parenthèses. Vous dites en passant, seigneur Octave, le marteau de ma porte m'a tout l'air de vous avoir brûlé les doigts. En quelle façon, juge plein de science? En y voulant frapper, cousin plein de finesse. Ajouteur d'immense plein de respect, juge, pour le marteau de ta porte, mais tu peux le faire peindre à neuf sans que je craigne de m'y salir les doigts. De quelle façon, cousin,
plein de facéties. En n'y frappant jamais, juge plein de causticité. Cela vous est pourtant arrivé puisque ma femme a enjoint à ses gens de vous fermer la porte au nez à la première occasion. Tes lunettes sont myopes, juge plein de grâce. Tu te trompes d'adresse dans ton compliment. Mes lunettes sont excellentes, cousin. N'as-tu pas fait à ma femme une déclaration amoureuse? À quelle occasion, subtil magistrat? À l'occasion de ton ami Célio, cousin. Malheureusement, j'ai tout entendu. Par quelle oreille, sénateur incorruptible? Par celle de ma femme qui m'a tout raconté, Gaudeluro, chéri. Tout absolument, juge idolâtré, rien n'est resté dans cette charmante oreille. Il y a resté sa réponse, charmant pilier de cabaret, que je suis chargé de te faire. Je ne suis pas chargé de l'entendre, cher procès-verbal. Ce sera donc ma porte, en personne, qui te la fera, aimable croupier de roulette, si tu t'avises de la consulter. C'est ce dont je ne me soucie guère, chère sentence de mort, je vivrai heureux sans cela. Puisses-tu le faire en repos, cher cornet de passe 10. Je te souhaite mille prospérités. Rassure-toi sur ce sujet, cher verrou de prison, je dors tranquille. Comme une audience. Célio ? Célio ! Qui diable en a-t-il ? Sais-tu, mon cher ami, le beau tour que nous joue ta princesse ? On a tout dit à son mari. Comment sais-tu ? Par la meilleure de toutes les voies possibles, je quitte à l'instant Claudio. Marianne nous fera fermer sa porte au nez si nous nous avisons de l'importuner davantage. Tu l'as vu tout à l'heure ? T'avait-elle dit ? Alors, rien qui peut me faire pressentir cette douce nouvelle. Rien d'agréable, cependant. Célio, renonce à cette femme. Hola, second verre. Pour qui ? Pour toi. Marianne est une bagel. Je ne sais trop ce qu'elle m'a dit ce matin. Je suis resté comme une brute sans pouvoir lui répondre. Allons, n'y pense plus. Voilà qui est convenu. Et que le ciel m'écrase si je lui adresse jamais la parole. Du courage, Célio, n'y pense plus. Adieu, mon ami. Où vas-tu ? J'ai affaire en ville ce soir. Mais tu as l'air d'aller te noyer. Voyons, Célio, à quoi penses-tu ? Il y a d'autres Marianne sous ce ciel. Soupons ensemble et moquons-nous de cette Marianne-là. Adieu. Je ne peux rester plus longtemps. Je te verrai demain, mon ami. Célio. Écoute donc, je te prends une autre Marianne. Bien gentille, douce comme un agneau. Et n'allons pas ta vêpre, surtout. Maudite cloche, quand t'auras peut-être fini de me mener en tête. Monsieur, la demoiselle Rousse n'est point à sa fenêtre. Elle ne peut se rendre à votre invitation. Peste soit de tout l'univers, a-t-il donc décidé que je souperais seul aujourd'hui? La nuit arrive en poste, que diable vais-je devenir? Bon! Ceci me convient. Je suis capable d'ensevelir ma tristesse dans ce vin. Du moins, ce vin dans ma tristesse. Ah, les vêpres sont finies. Voici Marianne qui revient. Encore ici, Seigneur Octave? Et déjà à table. C'est un peu triste de s'enivrer tout seul. Le monde entier m'a abandonné. Je tâche d'y voir double afin de me servir à moi-même de compagnie. Comment? Pas un de vos amis? Pas une de vos maîtresses qui vous soulage de ce fardeau terrible, la solitude? Faut-il vous dire ma pensée? Je vais envoyer chercher une certaine Rosalinde. Me sert de maîtresse, elle soupe en ville comme une personne de qualité. C'est une fâcheuse affaire, sans doute. Et votre cœur en doit ressentir un vide effroyable. Un vide que je ne saurais exprimer et que je communique en vain à cette large coupe. Le carillon des vêpres m'a fendu le crâne pour toute l'après-dînée.
Dites-moi, cousin, est-ce du vin à 15 sous la bouteille que vous buvez? Ne riez pas, ce sont les larmes du Christ en personne. Cela m'étonne que vous ne buviez pas du vin à 15 sous. Buvez-en, je vous en supplie. Et pourquoi en boirais-je, s'il vous plaît? Goûtez-en, je suis sûre qu'il n'y a aucune différence avec celui-là. Il y en a une aussi grande contre le soleil et une lanterne. Non, vous dis-je, c'est la même chose. Dieu me préserve, vous moquez-vous de moi? Vous trouvez qu'il y a une grande différence? Assurément. Je croyais qu'il en était du vin comme des femmes. Une femme n'est-elle pas aussi un vase précieux, scellé comme un flacon de cristal? Ne renferme-t-elle pas une ivresse grossière ou divine, selon sa force et sa valeur? Et n'y a-t-il pas parmi elles le vin du peuple et les larmes du Christ? Quel misérable cœur est-ce donc que le vôtre pour que vos lèvres lui fassent la leçon? Vous ne boiriez pas le vin que boit le peuple. Vous aimez les femmes qu'il aime. L'esprit généreux et poétique de ce flacon doré, ces sucs merveilleux que la lave du Vésuve a cuvé sous son ardent soleil, vous conduiront chancelant et sans force dans les bras d'une fille de joie. Vous rougiriez de boire un vin grossier. Votre gorge se soulèverait. Ah, vos lèvres sont délicates, mais votre cœur s'enivre à bon marché. Bonsoir, cousin. Puis, Rosalinde, rentrez ce soir chez elle. Deux mots de grâce, belle Marianne, et ma réponse sera courte. Combien de temps pensez-vous qu'il faille faire la cour à la bouteille que vous voyez pour obtenir ses faveurs? Oh, elle est, comme vous dites, toute pleine d'un esprit céleste. Et le vin du peuple lui ressemble aussi peu qu'un paysan à son seigneur. Cependant, regardez comme elle se laisse faire. Oh, elle n'a reçu, j'imagine, aucune éducation, elle n'a aucun principe. Voyez comme elle est brave fille. Un mot a suffi pour la faire sortir du couvent. Toute poudreuse encore, elle s'en est échappée pour me donner un quart d'heure d'oubli et mourir. Sa couronne virginale, empourprée de cire odorante, est aussitôt tombée en poussière et, je ne puis vous le cacher, elle a failli passer tout entière sur mes lèvres dans la chaleur de son premier baiser. Êtes-vous sûr qu'elle en vaut davantage? Elle n'en vaut ni plus ni moins, c'est qu'elle est bonne à boire et qu'elle est faite pour être bue. Dieu n'en a pas caché la source au sommet d'un pic inabordable, au fond d'une caverne profonde. Il l'a suspendue en grappe dorée au bord de nos chemins. Elle y fait le métier des courtisanes. Elle y effleure la main du passant. Elle y étale au rayon du soleil sa gorge rebondie. Et toute une cour d'abeilles et de frelons murmure autour d'elle matin et soir. Le voyageur dévoré de soif peut se coucher sous ses rameaux verts. Jamais elle ne l'a laissé languir. Jamais elle ne lui a refusé les douces larmes dont son cœur est plein. Ah, Marianne, c'est un don fatal que la beauté, la sagesse dont elle se vante est sœur de l'avarice, et il y a plus de miséricorde dans le ciel pour ses faiblesses que pour sa cruauté. Bonsoir, cousine. Puisse Célio vous oublier. Seigneur Célio, défiez-vous d'Octave. Ne vous a-t-il pas dit que la belle Marianne lui avait fermé sa porte? Assurément. Pourquoi m'en défierais-je? Tout à l'heure, en passant dans la rue, je l'ai vue en conversation avec elle, sous la tonnelle. Qui
Qu'y a-t-il d'étonnant à cela? Il aura épié ses démarches et saisi un moment favorable pour lui parler de moi. J'entends qu'ils se parlaient amicalement et comme gens qui sont de bon accord ensemble. En es-tu sûr, Tuta? Alors, je suis le plus heureux des hommes. Il aura plaidé ma cause avec chaleur. Est-ce que le ciel vous favorise? Que je fusse né dans le temps des tournois et des batailles. Qu'il m'eût été permis de porter les couleurs de Marianne et de l'étaler de mon sang. Qu'on m'eût donné un rival à combattre, une armée entière à défier. Que le sacrifice de ma vie eût pu lui être utile. Je sais agir, mais je ne puis parler. Ma langue ne sert point mon cœur et je mourrai sans m'être fait comprendre. Comme un muet dans une prison. Pensez-vous que je sois un mannequin, que je me promène sur la terre pour servir d'épouvantail aux oiseaux? D'où vous vient cette gracieuse idée? Pensez-vous qu'un juge criminel ignore la valeur des mots et qu'on puisse se jouer de sa crédulité comme de celle d'un danseur ambulant? À qui en avez-vous ce soir? Pensez-vous que je n'ai pas entendu vos propres paroles? Si cet homme ou son ami se présente à ma porte, qu'on la lui fasse fermer. Et croyez-vous que je trouve convenable de vous voir converser avec lui librement sous une tonnelle lorsque le soleil est couché? Vous m'avez vu sous une tonnelle? Oui, oui, de ces yeux que voilà, sous la tonnelle d'un cabaret. La tonnelle d'un cabaret n'est pas un lieu de